Scandale en Géorgie. Des vidéos clandestines montrant des gardiens d'une prison de Tbilissi tabassant des détenus et les violant avec des matraques et des manches à balai ont été diffusées mardi sur plusieurs chaînes de télévision. Filmées par un ex-surveillant, ces images crues montrant clairement un usage de la torture ont déclenché des manifestations jeudi dans la capitale géorgienne. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant le ministère de l'Intérieur et devant la prison où les exactions ont été commises. Face à cette marée humaine, le ministre de l'Intérieur a dû démissionner. Tout le pays est dans la rue, déclare ce manifestant. La Géorgie est en train de se soulever et cela continuera jusqu'au moment où le ministre de la Justice sera à son tour mis sous les verrous. Même si le président Mikhaïl Saakachvili a promis la réorganisation complète du personnel de la prison, dont 12 responsables ont été limogés, il n'en reste pas moins qu'il s'agit pour lui d'une affaire bien embarrassante à quelques jours des élections législatives du 1er octobre.